Salut tout le monde. Alors, dans le cadre de ce merveilleux concours de création, je voulais vous présenter, en fait, qui je suis. Je voulais me présenter à vous. Pas facile, mais je suis un créateur de l'Estrie. Et puis, j'ai toujours... J'ai toujours été attiré par la musique. Depuis l'âge de 12 ans, que je joue de la guitare, puis que je fais de la composition. J'aime beaucoup la musique classique. Et puis, je travaille aussi la peinture. Je fais des études en art. Et puis, ce qui me tient à cœur, c'est le français, la langue française. Alors, dès mon plus jeune âge, j'étais fortement impressionné par le travail des automatistes Bourdieu, Riopel, Gauvreau. Je trouvais que c'était des représentants du nouveau Québec, du goût de ce pays. En fait, il représentait pour moi aussi un espoir que un jour je pourrais réaliser de quoi. Je pourrais réaliser de quoi en français, dans ma langue maternelle, que même si j'apprécie beaucoup l'anglais, je trouvais important de porter le flambeau du français, plus précisément du québécois. Alors, j'ai commencé à garnir ma bibliothèque de différents livres. Et puis, j'ai suivi les traces de ma mère qui était une grande lectrice. Alors voici, derrière moi, vous voyez ma dernière création, qui n'est pas encore complétée, mais on est à une certaine étape. Et puis, si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer ma bibliothèque. Ma bibliothèque qui est remplie de livres. Remplie de livres. La plupart que j'ai lus. La plupart que je vais lire. Ici, vous avez la section du Québécois. Et puis, c'est une grosse bibliothèque remplie de livres. Et comme je vous disais, je m'intéresse beaucoup à la musique. Ici, c'est mon coin guitare. Avec un haut-parleur que j'ai fabriqué moi-même. Et puis, ma vieille guitare classique. Ma vieille guitare classique que je traîne depuis l'âge de 12 ans. Et puis, vous avez plein de trucs que j'ai fait ici, plein de trucs. Je vous fais le tour, faire le tour de la maison assez rapidement. Une superbe grande toile qui représente une encre. Et puis, voyez-vous, j'en ai fait plein de toiles. Et puis, je joue de la musique. Est-ce que vous entendez? J'espère que vous ne serez pas trop offusqués du format. Ici, je voulais montrer, pour finir, mes dernières créations de cette année. Avec, et vous, je me suis inspiré de l'automatisme. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Maintenant, je souhaite bonne chance à tout le monde. Au revoir. Ah, mon nom, c'est Jocelyn.